c'est une très bonne question. Par exemple, aujourd'hui, je ne serais pas une très bonne gazelle. Parce que, en fait, si vous utilisez ce genre de boussole avec des éléments en acier, eh bien, vous n'arriverez jamais à savoir où vous êtes. C'est-à-dire que vous aurez 160 degrés à ce... là, la fois d'après, vous l'aurez ici. Et ça, avant de s'en rendre compte, ça peut prendre un certain temps. Parce que vous avez, par exemple, des branches de lunettes qui peuvent être en acier. Donc, on casse pas toujours des parties métalliques du casque. Donc, si vous prenez votre cap avec le casque sur la tête, typiquement, eh bien, vous n'aurez pas le bon casque. Voilà, vous n'aurez pas le bon casque. Ça, c'est... Ou bien, vous posez tout ça sur la voiture en vous disant, bah, je cherche mon or, mais le capot étant métallique, évidemment, vous n'arriverez jamais à avoir le bon casque. Donc, des allers-retours moyens. Et je vais donner un deuxième tips. C'est que quand vous sortez du véhicule, vous avez tout un tas de matériel avec vous et ça tombe dans des herbes. Donc des choses toutes simples, c'est pouvoir les identifier les plus fluo et surtout les scratcher dans le véhicule pour pouvoir les prendre et les